c'est une équipe à race de toute façon qui lâche rien du début à la fin, on le sait très bien. En plus, ils étaient amoindris, ça a peut-être décuplé les forces des autres. Mais c'est une équipe qui est restée investie tout au long du match et qui nous a mis en grande difficulté. Nous, on commet des erreurs encore, des fois qui auraient pu nous coûter cher ce soir parce qu'on avait le match en main plusieurs fois, on crée des petits écarts. Et puis, à chaque fois, Arras revient sur des inattentions de nous, on n'est pas prête à défendre au départ des actions sur leur jeu en première intention. Mais ça sort bien ce soir, tant mieux pour le groupe et tant mieux pour le TMB. On va continuer, on va regarder ce qu'a fait Angers ce soir contre Nantes. On va continuer à travailler, on a encore le destin entre nos mains, on a la chance d'avoir le destin entre nos mains. On rencontre beaucoup d'équipes de notre championnat, donc oui, bien sûr, le maintien va être important et ce match était capital déjà aujourd'hui. Bah, c'était déjà un bon match de basket. Je crois que tout le monde a pris du plaisir. Les filles se sont données à 100% pendant tout le match. Voilà, on joue à 6 pendant 45 minutes, ça va être ça les 7 derniers matchs. Ça paraît compliqué. Après, à la fin, voilà, il y a deux tirs qui tournent autour du cercle et qui ressortent. Le tir d'Elodie et de Brooke. Voilà, s'ils sont dedans, ça change tout, on gagne le match. Et puis là, ils tournent, ils ressortent. C'est le jeu. Le contenu est très intéressant. Au moins, on perd en prolongation et il y a un match de basket, j'ai envie de dire. Parce que des fois, on perd et il n'y a pas de match. Donc, et on joue pour ne pas prendre une fessée. Ce soir, on a joué pour gagner. Donc déjà, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Après l'arbitrage, non, on va pas parler de l'arbitrage. C'est en face, il essaie de nous user de gagner sur la fin parce qu'il tourne à 10, oui, je crois qu'il a 10 joueuses. Mais on voit qu'on tient quand même jusqu'au bout, quoi. Je te dis, ça se joue sur les deux derniers ballons qui tournent, quoi. Donc, c'est le jeu, c'est le basket, c'est le sport.